Bonjour à tous, donc nous revoici ensemble pour l'enregistrement de la deuxième partie de la soirée du 15 janvier du CDVL 31, donc soirée théorie parapente. Donc c'est Thibaut Vargas qui présente, je suis moniteur fédéral. Et donc aujourd'hui nous allons aborder sortir du bocal et premier cross, donc tout ce qu'il y a à savoir, donc un prérequis, etc. pour réaliser son premier cross. Donc, vous rêvez de sortir du bocal, quelques petits conseils pour bien préparer votre premier cross. Alors, petite précision, c'est que ici, dans cette présentation, voilà, je suis l'auteur des informations, mais voilà, je ne prends pas de responsabilité sur les vols que vous allez prendre par la suite. Donc, c'est vous le pilote de votre parapente, et donc, vous restez responsable tout de même de toutes les décisions que vous prendrez lors de votre prochain vol. Du coup, la présentation va s'articuler de la manière suivante. Donc, on va commencer par définir un petit peu le cross, identifier les prérequis, éventuellement la préparation et l'analyse avant de penser à la réalisation. Donc, la définition. Donc, le parapente classique, c'est très simple. On a un point A qui est un déco, un point B qui est un atterrissage officiel. Donc, ça, c'est le vol, on a tous commencé par là. Et ça reste la majorité de la pratique de parapente. Sortir du bocal, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire que le point B, c'est pas l'atterrissage officiel, c'est un autre champ, tout simplement. Quelle que soit la distance, il n'a pas besoin d'être très loin pour dire qu'on a fait un cross ou qu'on est sorti du bocal. La distance entre le point A et le point B n'est pas une référence, effectivement. On sait très bien qu'il y a des 30 km. Des vols de 30 km qui peuvent être très faciles sur des sites connus où on n'a plus qu'à suivre la crête, alors que dans certaines zones, 15 km, c'est déjà très difficile. Donc ne vous attachez pas à une distance en particulier. Ce qui est intéressant, c'est de, voilà, de sortir de la zone de confort du bocal du site. Et voilà, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut savoir pour franchir le pas. Donc les prérequis. On aura des capacités physiques et mentales, parce qu'effectivement, le parapente reste un sport. Il y aura aussi beaucoup d'éléments techniques à connaître et des éléments de matériel. Donc, si on approfondit un petit peu les capacités physiques et mentales, votre forme physique vous permet-elle un atterrissage vent de travers ou vent arrière? Voilà. Les capacités physiques et mentales, c'est une somme de questions que l'on doit se poser pour savoir, voilà, comme je le disais, le parapente reste un sport, même si c'est un sport qu'on peut pratiquer jusqu'à un certain âge et qui ne nécessite pas une condition physique extraordinaire. Néanmoins, il y a des petites informations qu'il est nécessaire de se poser. Donc, est-ce que voilà, est-ce qu'un atterrissage vent arrière, ça peut m'arriver? Est-ce que je sais courir? Est-ce que je suis capable de marcher 2 km avec mon sac sur le dos? Effectivement, mon sac, il va vite faire 15-20 kg en parapente. Et c'est pas forcé que j'atterrisse auprès de la route. Donc, c'est pas rare qu'on marche 1 à 2 km pour se rapprocher d'une route ou d'un village. Est-ce que je sais rester plusieurs heures dans ma sellette? Parce qu'effectivement, en parapente, voilà, c'est en volant plusieurs heures qu'on parcourt des distances. Finalement, notre vitesse moyenne reste relativement lente, donc il faut être capable d'avoir voilà, l'endurance pour voler longtemps. Est-ce qu'on se sent capable de gérer un stress lié au vol en terre inconnue? C'est-à-dire savoir atterrir en terre inconnue, savoir identifier le sens du vent, la force du vent, savoir trouver des thermiques, voilà, dans des zones que l'on ne connaît pas. Voilà, toutes ces questions, elles sont bonnes à se poser. Ça ne veut pas dire que si on n'a pas un point, on ne pourra jamais faire de cross, mais néanmoins, c'est bien de se les poser avant. Est-ce qu'on saura renoncer à bon escient ou mobiliser notre concentration en cas de point dur? Ça peut arriver si on fait un point bas dans une vallée où voilà, les atterrissages sont pas nombreux ou exigus. Il faut savoir se mobiliser voilà, au niveau du mental pour savoir ressortir d'un point dur et donc voilà, mobiliser toutes nos capacités dans ces moments-là. Point de vue technique. Donc il y a la technique en vol. Donc en vol, pour le cross notamment, êtes-vous capable d'enrouler plusieurs thermiques jusqu'au sommet sans fermeture? Donc là, il y a un double aspect traité dans ce point. Le premier point, c'est d'enrouler plusieurs thermiques jusqu'au sommet, c'est-à-dire voilà, est-ce que quand je trouve un thermique, j'ai l'habitude de rentrer, sortir, ou est-ce que voilà, souvent je fais un rond ou deux pour me placer dans le thermique, et puis ensuite je l'ai jusqu'au plafond. Dans mes habitudes, je suis plutôt performant.
Le deuxième point, c'est sans fermeture. Ce point-là, il n'est pas anodin, parce qu'effectivement, il y a des gens qui savent voler, qui savent monter. Par contre, ce n'est pas des grands pilotes, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à conserver une aile ouverte pendant l'intégralité d'un vol. Il faut savoir qu'une fermeture, c'est jamais anodin. Si elles sont fréquentes, enfin, c'est jamais la faute du vent ou de la voile, c'est souvent la faute du pilote. Est-ce que je connais les régimes de vol? Donc les différents régimes de vol, on les voit dans une autre présentation qui est la polaire des vitesses et les régimes de vol. Donc voilà, est-ce que sans les maîtriser tous, est-ce que déjà je les connais? Est-ce que je sais voler en dynamique, c'est-à-dire en appui sur le relief, en swaring? Parce que tout simplement, dans un vol où on sort du bocal, il est souvent probable qu'on se retrouve à raccrocher sur une face et donc d'utiliser la dynamique pour remonter le long d'une face. Est-ce que je connais les notions de haut vent et sous le vent? Ça, c'est vraiment un caractère technique primordial pour la sécurité. Les notions de haut vent et sous le vent. Pourquoi? Parce que, ben, effectivement, sous le vent, ça donne lieu à de fortes turbulences en parapente. Et donc, savoir identifier mon placement à l'arrivée d'une transition, ce sera très très important. Techniquement, au niveau de l'atterrissage, je mets un petit point en particulier à ce niveau-là parce que c'est important. Donc, est-ce que je sais atterrir dans un lieu improvisé? Est-ce que je sais lire la direction du vent? Effectivement, quand je suis encore en l'air, souvent, enfin, ça peut arriver, on a parcouru 30 km, on a changé de vallée plusieurs fois. Quelle est la direction et éventuellement la force du vent? Donc, on a des indicateurs qui peuvent nous aider à faire ça. Ça peut être, voilà, les feuilles, ça peut être de la fumée qui s'échappe d'une cheminée, donc on voit dans quel sens elle est poussée. Ça peut être les appareils électroniques GPS qui nous donnent notre vitesse de déplacement. Voilà, est-ce que je sais faire tout ça? Est-ce que je sais construire une approche sur un terrain non repéré? Donc terrain, j'entends par là, terrain d'atterrissage, non repéré au préalable, parce qu'effectivement, quand on arrive sur un site connu, l'atterrissage, ben, on a l'habitude de s'arrêter en voiture, d'observer les obstacles, où est la manche à air, où est la zone de poser de prédilection, est-ce que c'est une approche en PTU ou une approche en PTS qui est recommandée? Voilà, tout ça, est-ce que je le maîtrise sur un terrain officiel et est-ce que je sais de moi-même le transposer sur un terrain non connu, c'est-à-dire on ne sait pas encore où on va atterrir. Par contre, quand je suis en vol, je sais repérer les obstacles, les lignes électriques et identifier quelle prise de terrain sera la plus favorable. Donc, ça fait une bonne jonction avec ce point-là. Donc, quand je suis encore en l'air, parce que c'est en l'air qu'il faut le faire, quand je repère un terrain, est-ce que je sais repérer les obstacles? Ça peut être donc les lignes électriques. Pour ça, vous savez que c'est un obstacle délicat pour les parapentistes parce qu'une ligne électrique, on ne la voit pas. On la voit très mal vu de dessus. Donc l'indication que je saurais vous donner, c'est de dire, voilà, on cherche d'abord les poteaux électriques, les poteaux qui supportent les lignes. Et une fois qu'on a identifié plusieurs poteaux qui doivent former normalement une sorte d'alignement, voilà, il faut faire l'hypothèse qu'il y a des lignes entre les poteaux. Et donc on va plutôt choisir des champs le plus éloignés possible des lignes électriques. Ensuite, on va éviter effectivement tout ce qui est culture et élevage, voilà, pour le respect des paysans et pour la longue vie de notre pratique. Petit conseil donc, c'est de repérer les routes avant de poser. Effectivement, une fois qu'on est au sol, c'est beaucoup plus compliqué de savoir où est la route, est-ce qu'elle est loin, est-ce qu'elle est pas loin, dans quelle direction elle est, et on peut très vite se tromper et marcher dans la mauvaise direction. Donc quand on est à 200-300 mètres sol, vraiment il faut faire un scan des éléments repérés, donc route, village, etc., qui vont bien nous aider. Une fois au sol, ce sera bien plus compliqué. Au niveau matériel maintenant, est-ce que je dispose du matériel adéquat pour un premier cross? Est-ce que les sellettes de montagne sont. Pardon, les sellettes de montagne sont à proscrire, en effet. Enfin, sellettes de montagne, j'entends par là les strings. En effet, parce que on a un confort qui est plutôt minimaliste, et c'est important d'avoir une sellette bien confortable, avec de la sécurité passive également. Mais comme ça, on peut porter toute notre attention et notre concentration sur notre pilotage. Donc le matériel minimum, une aile en bon état et révisée, peu importe que ce soit une aile de compète ou pas, on voit aujourd'hui des ailes A et B qui permettent de faire des vols vraiment très 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 grands et de dépasser largement les 100 km. Donc, voilà, le but c'est pas d'avoir un gun, mais d'avoir une aile en bon état et sous laquelle on est à l'aise. Une sellette de progression, donc. Ah, c'est une sellette, comme je le disais, confortable avec éventuellement une sécurité passive mousse bag ou airbag.
Et voilà, des poches, c'est intéressant pour amener de l'eau ou de la nourriture, qui seront peut-être pas forcément utiles en l'air, selon les pilotes. Mais par contre, une fois au sol, on sera toujours content d'avoir un peu de nourriture et un peu d'eau pour attendre la récup. Un parachute de secours, très très important, et un variomètre. Donc le variomètre que vous connaissez tous pour matérialiser les ascendances. Un téléphone portable chargé. Donc certains utiliseront un tracking, mais néanmoins, il est important qu'il soit chargé et dans notre poche au minimum pour qu'une fois au sol ou en cas de besoin, on puisse joindre des amis ou les secours. Les petits plus, ce sera un GPS. Un GPS, il nous sera utile pour enregistrer la trace GPS et donc analyser le vol une fois qu'on est rentré chez nous sur l'ordinateur. Aussi, il peut permettre de déclarer le vol à la CFD, on le verra plus tard. Et une chose importante aussi, il nous donne notre vitesse de déplacement par rapport au sol. Donc c'est utile pour connaître la force et la direction du vent. C'est-à-dire que si je dois atterrir dans un champ, juste au-dessus, je vais faire un passage dans un sens, un passage dans un autre. Si dans un sens je vole à 50 km/h et dans l'autre à 25, je vais plutôt choisir le sens de déplacement à 25 km/h, ce qui signalera que je suis bien donc face au vent pour atterrir. Une radio, donc ça c'est très important aussi, notamment quand on vole à plusieurs. Un petit kit de sécurité, donc il en existe de vendu complet, sinon on peut se le faire nous-mêmes, avec une couverture de survie, un sifflet, une petite corde, éventuellement un couteau. Voilà, il y a quelques petits accessoires qui peuvent être utiles. S'il me manque un prérequis, voilà, est-ce que voilà, dans les points précédents, que ce soit physique, technique ou matériel, s'il me manque quelque chose, est-ce que je vais m'arrêter là? Ben non, on va essayer de travailler, on va s'entraîner pour obtenir ce prérequis, et effectivement basculer vers le premier cross avec tous les prérequis nécessaires, et donc avec tous les éléments favorables à notre sécurité. Donc au niveau entraînement, je vous propose quelques petites pistes, hein. C'est juste de la bonne logique. Donc pour le physique, on va essayer d'aller marcher ou courir en montagne, ou faire du vol rando, tout simplement. C'est allier le plaisir et le sport. Donc ça va nous permettre voilà, d'améliorer notre condition physique. Pour le mental, je dirais que c'est se donner des petits objectifs sur les vols classiques. Donc un vol classique, c'est un vol où la journée elle n'est pas fumante, c'est pas une journée record. C'est une journée tout simplement comme toutes les autres. Mais voilà, au lieu de faire décollage, je fais mon tour dans le bocal et au bout d'une heure je vais atterrir. C'est de se donner un petit objectif qui change de d'habitude. Donc ça peut être voilà, ressortir d'un point bas, ça peut être enrouler les thermiques de mon mauvais côté si vous en avez un, plutôt à droite ou plutôt à gauche. Ça peut être voilà, essayer de rester avec les copains, parce que des fois on a tendance à étirer les groupes, et voilà, on peut faire des petits objectifs comme ça sur des vols tout à fait classiques. Ça va mobiliser notre motivation, notre mental pour atteindre ces petits objectifs qu'on aura fixés. Donc je l'ai dit, de ressortir d'un point bas, garder le même thermique jusqu'au sommet sans le perdre, ça c'est un très bel exercice aussi. Identifier des terrains pour se vacher. C'est-à-dire que je suis en train de voler, même si c'est le bocal, eh bien, je regarde les terrains autres que l'atterrissage officiel. Et je regarde, voilà, est-ce qu'il y a des obstacles identifiables? Ça ne veut pas dire que je vais aller m'y poser forcément, mais prendre l'habitude de dire, voilà, j'ai un terrain ici, j'ai un terrain ici, ok, je vole en sécurité. Point de vue technique, bien décoller. Vraiment, c'est un point très important, parce que un décollage raté, c'est se mettre un petit peu sur de mauvaises bases pour le reste du vol, alors que faire un beau décollage propre, où on maîtrise vraiment la voile, on fait une belle temporisation, un beau contrôle, une belle course d'élan. C'est vraiment partir sur de bons pieds et on est de suite dans le vol et on sera très efficace dès le premier thermique. Être précis à l'atterrissage, ça c'est vraiment un point très très important parce que voilà, tous les vols que l'on fait, même sur terrain connu, même sur les terrains qui sont très très grands, parce qu'il en existe des sites où vraiment il y a des aérodromes proposés, c'est important de se mettre un objectif de cible à viser, donc pour être précis autour de cette cible. Pourquoi? Parce que le jour où on devra le faire sur un terrain exigu, eh bien si on sait le faire, on va y arriver. Si on ne sait pas le faire, eh bien on risque de faire un petit arbrissage. Savoir voler longtemps, donc comme je le disais tout à l'heure, pour sortir du bocal, c'est bien de savoir voler plus d'1 heure. Si au niveau matériel, on a des petits manques,
Ben, j'ai qu'une seule chose à vous recommander, c'est aller faire votre liste de shopping sur soaringshop.com et vous trouverez normalement votre bonheur et vous serez bien conseillé. Voilà, donc j'avais peut-être pas tous les prérequis, je me suis entraîné et maintenant j'ai obtenu effectivement les requis nécessaires pour passer à la suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait après ça? Donc la préparation. La préparation d'un vol pour sortir du bocal, c'est de se poser un objectif. Est-ce que c'est un premier cross que je veux faire? Est-ce que je veux juste sortir du bocal? Est-ce que je veux aller à un point précis? Par exemple, pour certaines personnes, c'est rentrer chez eux. Est-ce que je veux dépasser les 30 km? Est-ce que je veux faire un grand triangle? Est-ce que je veux survoler un point caractéristique? Voilà donc. Dans tous ces objectifs, voilà, c'est important avant de préparer, de savoir ce qu'on veut faire. Selon les différents points ici, ben, la préparation sera légèrement différente. Pour juste sortir du bocal ou pour dépasser les 30 km, on ne va pas se poser exactement les mêmes consignes. Malgré toutes les généralités qu'on va voir maintenant, elles peuvent s'appliquer à chacun des points précédents. Donc, mon vol record précédent, quel est-il? Donc c'est important de connaître notre temps maximum passé en l'air, la distance maximale qu'on a parcourue, et si on a l'habitude de plutôt voler en plaine ou en montagne. Effectivement, on ne va pas partir pour un vol de 100 km en 5 heures si on n'a jamais volé plus de 2 heures. Il faut ré rester réaliste dans les objectifs. C'est-à-dire que par rapport à mon record précédent, on va se donner des objectifs qui les dépassent légèrement. Mais voilà, avec quelques steps, on ne passe pas de 10 à 100 km en claquant des doigts. Donc pour mon premier cross, on n'invente rien. On va rester sur un vol classique, c'est-à-dire de chaque vol, enfin chaque site en général a son vol classique. C'est-à-dire que de Arbas, on a un classique, c'est d'aller vers le Cagir. À Annecy, il y a le petit et le grand tour du lac qui sont des standards. À Agen, en Espagne, on peut faire un vol le long de la crête. Voilà. C'est-à-dire que pour mon premier cross, je ne vais pas inventer une nouvelle route qui a été empruntée par personne auparavant. Si elle n'a pas été empruntée, c'est souvent qu'il y a des bonnes raisons. Donc, on va s'attacher à faire des transitions et des cheminements connus, dans une aérologie connue. Et on va se renseigner auprès des locaux, surtout sur les trucs à savoir. À quelle altitude je peux partir? Est-ce qu'il y a des vaches connues? Donc, les vaches, c'est les terrains d'atterrissage hors atterrissage officiel. Donc, est-ce qu'il y a des vaches connues sur certains sites? On sait que, voilà, à partir de 1500 mètres, hop, on peut partir poussé par le vent. Et on sait que sur les 10 premiers kilomètres, voilà, il y a tel et tel champ qui sont caractéristiques, qui ont l'habitude d'accueillir des parapentistes. Les brises. Si effectivement on est amené à voler en montagne et on s'attend à avoir de la brise, donc selon les vallées, c'est bien de connaître le sens et la force de la brise. Les pompes à couillons, ça aussi sur pas mal de sites, on a des zones très favorables au thermique. Et donc c'est très bien de les connaître, ça va nous aider pour nos premiers crosses. Donc on réduit au maximum les inconnus pour conserver notre concentration sur le pilotage. Voilà, donc il faut vraiment pas. Enfin, il faut réduire tout ce qui est inconnu de manière à ce que notre attention soit monopolisée par notre parapente et notre pilotage. Et pas sur le stress de est-ce que je vais à gauche ou à droite. Préparation pour les vols un peu plus ambitieux. Donc avant de réaliser le vol, le mieux c'est de le planifier. Donc on peut regarder des vols qui ont été déclarés et donc les afficher, les analyser. Il y a des sites comme la CFED Parapente, donc vous avez le lien ici. XC Contest, effectivement, c'est le même que CFD Parapente, sauf que c'est au niveau mondial. Donc, ces deux sites, ça permet aux pilotes de déclarer leur vol. Et donc, on a ici la trace en rouge, la trace GPS d'un vol. Donc, on peut zoomer, vérifier où est-ce qu'il a pris des thermiques, où est-ce qu'il est passé, etc. Donc, là, je vous ai pris un vol plutôt immense, mais à toute échelle, c'est intéressant de préparer les vols. On a également XC Planner qui peut nous permettre de faire cet exercice. Choisissez un cross accessible par une journée normale. C'est-à-dire qu'il faut qu'un cross que l'on prévoit, il soit faisable une journée normale, de manière à si on le tente un jour où c'est vraiment fumant, ben ça ne le rendra que plus facile. Si les conditions sont meilleures, le vol sera que plus facile, effectivement. Préparer un vol, c'est aussi
Identifier les zones interdites, donc les zones aériennes. Ça, c'est important de le prévoir, surtout quand on veut vraiment parcourir des grandes distances. On est parfois contraint en altitude ou en position par les zones aériennes. Quelles sont les longueurs des transitions? Ça, encore une fois, c'est auprès des locaux qui vont nous informer de toutes les caractéristiques des transitions qu'on va rencontrer. À quelle altitude je dois quitter un thermique pour assurer une transition? Voilà, donc ça, c'est toujours sur le même sujet. Donc, si je fais une route qui est connue, avec mon aile, un pilote local, il va pouvoir me dire, OK, si tu fais 2000 à ce point-là, là, tu peux partir, etc. OK. Au niveau sécurité, avant de me lancer, je préviens une personne au moins du parcours prévu. Ça, c'est important, si surtout je compte voler seul. Si j'ai préparé mon cross, via la page précédente, je sais que je vais partir plutôt dans une direction que dans une autre. Mais c'est bien d'informer un accompagnant ou un proche. Je prépare enfin, obligatoirement la météo pour savoir est-ce que les conditions sont bonnes, mauvaises, est-ce qu'il y a de l'orage annoncé à un moment dans la journée, est-ce que le vent est annoncé forcissant, voilà, est-ce que les conditions peuvent devenir dangereuses ou non, et dans quelles zones elles seront le plus favorables aussi pour optimiser mes déplacements. Idéalement, j'utilise un live tracking, donc il en existe des gratuits en utilisant son téléphone portable. Il y a d'autres systèmes un peu plus poussés, je vous laisse vous renseigner à ce niveau-là. Mais c'est important, surtout quand on est seul, mais pas que, d'avoir un live tracking. Je vérifie que j'ai mon téléphone chargé, donc je reviens sur ce point-là, ce sera très important d'avoir un téléphone avec soi pour aller faire du cross. Et prendre un peu d'eau, c'est toujours utile, même si on ne la boit pas en l'air, on sera content d'avoir au sol. Ici donc une photo de la transition vers le Cagir qu'on voit ici. Sécurité toujours. Donc à tout moment du vol, j'ai un posé possible dans mon cône de planer. Donc là, dans cette deuxième partie de présentation, on va passer un peu de temps à expliquer le cône de planer. Donc le cône de planer, c'est ce que j'ai matérialisé ici. Imaginons un parapente. Voilà. Donc le cône de planer, c'est si en air calme et sans vent, voilà, il fait que descendre sans trouver d'ascendance, c'est tous les points qu'il va pouvoir rejoindre dans ce cercle-là. Donc, voilà, c'est la finesse du parapente qui matérialise le bord du cône. Bon, ici, j'ai dessiné quelque chose de. C'est plutôt les ailes très anciennes qui ont une faible finesse, mais bon, pour que ça rentre dans la feuille, j'étais obligé de réduire. Donc, ici, si j'ai des terrains d'atterrissage dans mon cercle, donc dans mon cône de planer, je vais pouvoir les rejoindre même si je ne trouve pas d'ascendance. Donc ça c'est intéressant et c'est surtout indispensable de conserver toujours des terrains d'atterrissage possibles dans notre cône de planer. Si l'atterrissage, pardon, le plus proche est là-bas, si je ne trouve pas d'ascendance, eh bien, je ne pourrai pas le rejoindre. Donc c'est pas sécurité maximale. On va prendre en compte le vent et la brise. Parce qu'effectivement, je vous ai fait un cône en air calme et sans vent, mais il va être différent en cas de vent. C'est-à-dire que si on prend le vent en compte, admettons j'ai du vent dans cette direction, mon cône il va se déplacer vers la gauche. C'est-à-dire que cette zone-là va devenir inaccessible pendant que cette zone-là va devenir accessible. Tout ça on peut le comprendre parce que voilà, mon parapente face au vent, je vais être freiné, donc j'irai moins loin. Par contre, si je fais demi-tour, je vais être poussé par le vent, ma finesse donc va s'améliorer. Et je pourrais rejoindre un atterrissage qui sera par ici. Donc, il faut sans cesse, pendant le vol, matérialiser notre cône de planer. Finalement, il faut le visualiser mentalement puisque il est invisible. Et donc, à chaque moment du vol, s'assurer que j'ai un terrain d'atterrissage dans mon cône de planer. Si, dans le même exemple, si j'ai beaucoup de vent, donc un peu plus de vent que ça, le cône, il s'est déplacé encore plus vers la gauche. Donc, cette zone inaccessible est devenue plus grande. Cette zone accessible et la zone accessible derrière également. Si on va jusqu'à pousser le vis au maximum, si le vent était plus fort que notre vitesse de déplacement, ben ce cône il pourrait être complètement derrière nous, puisqu'on pourrait y aller qu'en marche arrière ou en faisant demi-tour, mais en marche avant, on ne pourra plus rejoindre de point au vent. Donc cette notion de cône de planer, on va la revoir beaucoup dans les planches qui suivent. Donc ici, on est sur des conditions voilà, théoriques de vent nul. Donc on a un pilote 1 qui vient de décoller du décollage A. Je viens de tracer ici son cône de planer.
Donc dans son cône de planer, il a bien l'atterrissage A, c'est l'atterrissage officiel classique. Donc voilà, ça c'est le genre de site que l'on fréquente, c'est-à-dire que du décollage à l'atterrissage, sans prendre d'ascendance, on arrive à rejoindre le point A et l'atterrir au A. Si maintenant je place un pilote 2, un pilote 3 et un pilote 4, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? Le pilote 2, il a dans son cône de planer l'atterrissage A. Donc tout va bien, c'est-à-dire qu'il peut continuer à se balader, à évoluer dans ce cône de planer. S'il ne trouve pas d'ascendance, il va se rapprocher et rejoindre l'atterrissage A. De même pour le pilote 3. Même s'il est vertical de la forêt, son cône de planer lui permettra de revenir vers l'atterrissage si, ben voilà, s'il ne traîne pas lorsqu'il va perdre son altitude. En revanche, ici, le pilote 4, si je trace son cône de planer, on voit qu'il n'a aucun atterrissage dans son cône de planer. C'est-à-dire que s'il ne trouve pas d'ascendance, maintenant, entre ici et la fin du vol, c'est dans la forêt que ça va se terminer. Donc pour partir en crosse, on va s'attacher à avoir tout le temps, tout au long du vol, un atterrissage dans notre cône de planer. C'est vraiment le point clé pour passer à la suite. Donc le pilote 1, il est ici, il a l'atterrissage dans son cône de planer. Une fois qu'il a pris un petit peu de... Enfin, voilà, le pilote 1 a pris une ascendance, il a pris de l'altitude, et donc ça lui permet d'avancer sur son vol. Ici, la différence qu'il y a, c'est qu'on a positionné un atterrissage B au milieu de la forêt précédente. Et donc, dans cette condition-là, on voit que voilà, le pilote 2, il a toujours l'atterro A dans son cône de planer. Le pilote 3, voilà, c'est le pilote 2, une fois qu'il a avancé en position 3, il a à la fois l'atterrissage A et l'atterrissage B. Donc, il a le choix et il va pouvoir continuer d'avancer, même s'il ne trouve pas d'ascendance. Et donc, admettons, voilà, après transition, il arrive à cette position 4. Il aura tout de même l'atterrissage B en plané. C'est-à-dire que voilà, une fois dans cette position, s'il ne retrouve pas d'ascendance, il ne pourra pas revenir à l'atterrissage A. Par contre, si, il pourra toujours atteindre l'atterrissage B en sécurité. Et donc, ça, c'est la base pour sortir du bocal et faire un premier cross, c'est de passer d'atterrissage en atterrissage, même si ce sera plutôt des vaches que des atterrissages en soi. Mais voilà, c'est de toujours trouver des champs posables dans notre cône de planer. Donc, un autre exemple, voilà, quand on est pendant le cross, on a quitté le décollage. Le pilote 1, avec son cône de planer, vu qu'il est en altitude plutôt basse, il ne peut pas aller dans d'autres endroits. Par contre, il trouve un thermique, il va prendre de l'altitude, il va rejoindre ce point-là. Si je retrace ce cône de planer, voilà, il a l'atterrissage B. Donc un autre champ posable dans son cône de planer. Donc là, il peut prendre l'initiative de faire une transition. Donc on va transiter, on va arriver au-dessus de l'atterrissage B. Le cône de planer est validé au niveau de l'atterrissage B. Il va chercher une autre ascendance ici. Donc s'il n'en trouve pas, il pose ici. Et s'il en trouve une, ce qu'il va faire, voilà, on enroule notre thermique et on reprend de l'altitude. Une fois dans cette nouvelle position, plus en altitude, on réanalyse notre cône de planer et on observe que l'atterrissage C rentre dans mon cône de planer. Ce qui va donc m'autoriser à enchaîner une autre transition. Une fois au-dessus de l'atterrissage C, si je ne trouve pas de thermique ou d'ascendance, je vais poser l'atterrissage C en sécurité. Si j'arrive à trouver une autre ascendance, le vol va se poursuivre et c'est un cycle qui se répète, qui se répète et qui se répète. Voilà. Ce qui est important de retenir, c'est qu'à tout moment du vol, vraiment j'insiste là-dessus, on va conserver au moins un champ dans notre cône de planer. Encore une fois, ici, c'est une simulation par vent de nul, mais voilà, l'expérience, c'est de prendre en compte aussi le vent qui va être soit de face, soit d'une autre direction, mais de prendre en compte la direction et la force du vent pour identifier notre cône de planer qui est finalement totalement virtuel. Un autre exemple pour passer une montagne. Notre pilote 1 à l'atterrissage A dans son cône de planer. Après la première ascendance, voilà, c'est-à-dire que donc il a pris l'altitude, on retrace son cône de planer, mais son cône de planer, évidemment, il ne traverse pas la montagne. Donc s'il veut franchir cette montagne et continuer le vol vers la droite, il va d'abord faire une transition pour se rapprocher du sommet. Une fois ici, il va pouvoir tracer son cône de planer. Son cône de planer, on remarquera que voilà, il a fait une transition, mais il avait toujours conservé l'atterrissage A dans son cône de planer. On ne s'aventure pas
au-dessus de la montagne ou auprès de la montagne si là, on n'a pas d'atterrissage vraiment au pied. Et c'est qu'une fois dans cette position-là qu'il va voir qu'il peut passer le sommet de la montagne et qu'il a, il peut voir qu'il a un atterrissage derrière la montagne. Donc si on ne voit pas d'atterrissage, c'est toujours risqué de franchir une crête sans savoir ce qu'il y a derrière. Donc le mieux, c'est de se renseigner auprès des locaux ou de prendre plus d'altitude, ce qui nous permettra de voir ce qu'il y a derrière et d'avoir un planier qui nous permet d'aller chercher des terrains qu'on a en visu. Donc j'attirerai un point particulier au niveau d'un passage de col ou d'un passage de crête. Donc le point de vérifier qu'on a un atterrissage derrière, ça c'est important. Mais aussi j'attirerai votre attention sur le fait qu'il y a des turbulences souvent au niveau des passages de crête si on est bas au-dessus de la crête. Donc la première recommandation que j'aurais, c'est de prendre vos marges en altitude et de passer 200 mètres au-dessus d'une crête. Voilà, 200 mètres au-dessus d'une crête, on va vraiment limiter les perturbations et les turbulences que l'on va rencontrer. Si néanmoins on est amené à passer une crête plus bas, dans ce cas-là, il faut vraiment bien connaître les notions de haut vent, de sous le vent, savoir s'il y a du vent météo, savoir s'il y a de la brise le long de ces pentes, et on fera bien attention au passage d'une face à une autre. Donc ici, on va faire une transition. On a passé la crête plus de 200 mètres au-dessus. On retrace notre cône de planer. Ce qu'on observe, c'est que voilà, dans cette position-là, je ne peux plus revenir au point A avant d'avoir repris de l'altitude. Par contre, j'ai bien validé mon cône de planer, mon atterrissage B. Si je continue mon vol, je vais arriver dans cette position-là, qui va voilà, quand je vais quitter l'atterrissage B en planer, j'ai bien l'atterrissage C qui est rentré dans mon cône, donc je fais ce vol en sécurité. Maintenant, quelques petites informations sur les différents types de crosses et de vols. Donc, on a du vol de plaine. C'est du vol qui est souvent dans le lit du vent, donc poussé par le vent, avec des distances souvent en ligne droite, et avec des atterrissages plus faciles à identifier et à anticiper. On peut le voir sur ces photos. En plaine, on peut voir de loin des grands champs, et on a souvent de l'altitude pour voilà, un cône de planer qui nous permet d'aller chercher et de conserver des atterrissages dans notre cône de planer tout au long du vol. J'ai essayé de mettre en place un petit système de scoring pour identifier les différents types de vols. Ici, c'est le vol de plaine. Donc, la petite légende ici, donc si le score est faible, c'est que j'ai identifié quelque chose comme facile pour un pilote autonome. Si le score est plus élevé, c'est plus difficile et la maîtrise du pilote est requise. Donc, par exemple, pour un vol de plaine, le vol thermique, le score est élevé, il est proche de 100. Pourquoi? Parce que en plaine, si je ne sais pas voler en thermique, je ne vais pas aller bien loin. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un grand danger, mais si je ne sais pas sortir d'un thermique, enfin sortir du site, du décollage qui a souvent des dénivelés plutôt faibles, etc., c'est vraiment du vol thermique qu'il faut maîtriser. Au contraire, en vol de pente, donc vol dynamique, le score est de 0, tout simplement parce qu'en vol de plaine, c'est très rare que l'on soit en appui sur un relief, puisque c'est souvent des reliefs très très plats, des plateaux, des plaines, et donc on n'a pas besoin de bien maîtriser le vol de pente. La connaissance du terrain ici, elle est scorée à 20 sur 100. Pourquoi? Parce que finalement, en plaine, comme on l'a vu sur les photos, même si on ne connaît pas un terrain, on n'est jamais vraiment sous le vent de quelque chose, il n'y a pas de relief. On a une grande visibilité sur ce qui est devant nous en termes d'atterrissage pour repérer des atterrissages longtemps en avance. Donc la connaissance du terrain n'est pas indispensable. Et au niveau engagement, voilà, on est sur un cross, mais de faible engagement pour les raisons que j'ai énoncées précédemment. On a quand même une sécurité qui est élevée dans le sens où on ne se retrouve jamais sous le vent de rien et il est facile de trouver des atterrissages. Un autre type de vol, c'est le vol de crête. Donc le vol de crête, c'est l'alternance de thermique et de cheminement. Ici, ces photos, elles sont prises à Agen en Espagne où on voit bien donc la crête. Sur laquelle on peut parcourir de fortes distances sans enrouler, où il y a beaucoup d'appui-relief, et l'utilisation des brises et du vent météo. Donc le scoring ici, pour un vol de crête, il va être différent. Donc bon, la légende reste la même. Au niveau du thermique, on est scoré à moitié, à peu près au niveau de 50. Pourquoi? Parce que on va faire une alternance de cheminement et de thermique. Donc même si on est moyen en thermique, il y a matière de faire des kilomètres sur des crêtes.
À Saint-Hilaire, on peut faire de très très beaux vols sans rouler en thermique. En revanche, au niveau du vol de pente, on a un scoring proche des 100, ben, tout simplement parce que ben, le vol de crête, c'est voler souvent près de la pente, en appui dynamique, en appui soaring, et c'est une technique particulière à connaître. Donc voilà, si je dois maîtriser le vol de pente, si je veux faire un cross en vol de crête à Saint-Hilaire notamment. La connaissance du terrain, elle est un peu plus élevée ici. Pourquoi? Parce que ben, chaque crête peut avoir ses particularités. Il y a des zones favorables, d'autres moins favorables. À partir du moment où on joue avec les brises et le vent météo, il faut un petit peu comprendre et connaître leur fonctionnement sur le site que l'on fréquente. Au niveau engagement également, on est monté un petit peu plus au niveau des 65, tout simplement parce que vol près du relief, c'est toujours plus engagé qu'un vol de plaine, puisque ben voilà, on est plus proche d'un obstacle, donc en cas de d'incident de vol, on a toujours moins d'altitude pour le gérer. Maintenant, on va voir le dernier type de vol, c'est le vol montagne. Donc c'est des thermiques, donc gestion de la face est et face ouest. Transition avec des traversées de vallées, donc des transitions qui peuvent être longues. De l'appui-relief également, puisqu'on a effectivement des crêtes que l'on va utiliser. Et utilisation des brises. Donc le vol montagne, voici son scoring. Au niveau du thermique, voilà, c'est important de savoir faire du thermique en montagne finalement, parce que ben, quand on est bas, on va utiliser du vol de pente, mais pour sortir au-dessus et faire des vrais plafonds, on va utiliser le thermique. Donc c'est bien être bon en thermique en montagne. Également en vol de pente, c'est intéressant d'avoir un niveau quand même intéressant en vol de pente parce qu'on n'est pas toujours haut au nuage et ça nous arrive de redescendre au niveau des crêtes et donc d'utiliser la brise pour remonter en soaring et ensuite rechercher des thermiques pour faire les plafonds. La connaissance du terrain, elle est plutôt élevée ici parce que voilà, la montagne c'est quand même un milieu hostile. Donc c'est très important de connaître à la fois ben, la météo annoncée le jour et voilà et le terrain de chaque caractéristique de chaque vallée que l'on compte traverser parce que voilà il y a certaines vallées que l'on fréquente d'autres moins et il y a souvent des raisons et donc il y a certaines faces sur lesquelles on peut s'aventurer et d'autres un peu moins et donc le vol montagne reste au niveau engagement pilote le plus élevé puisqu'on va souvent dans des endroits hostiles un peu escarpés loin des routes etc. Et donc avec des aérologies qui peuvent être parfois assez turbulentes. Voilà, donc là c'est la superposition des trois scorings. Donc voilà, je vous laisserai le revoir. On voit en bleu le vol de plaine, en orange le vol de crête et en gris le vol montagne. Donc on voit les trois niveaux d'engagement clairement. Tout ça pour ce qu'on peut en retenir, c'est que si je ne suis pas à l'aise sur du vol montagne, il vaut mieux que mon premier cross, j'aille le faire sur de la plaine, tout simplement. Parce que c'est là où on a un niveau d'engagement le plus réduit, on a la sécurité passive la plus accessible, le plus d'altitude, etc. Donc c'est vraiment le vol de plaine qui est le plus simple à apprivoiser au début. Donc les quelques conseils complémentaires. Donc c'est que plus la journée est instable, plus le cross sera facile, mais il sera un peu plus stressant et plus fatigant, puisqu'il y aura plus de turbulences. Les thermiques forts, ils assurent des plafonds et faciliteront les transitions. Mais voilà, encore une fois, un thermique fort, c'est aussi une turbulence. Donc il faut être prêt à avoir une journée un petit peu turbulente. Si on n'est pas à l'aise à 14h, il n'y a aucun souci pour aller décoller plutôt à 16h-17h. On peut faire un très joli cross de plusieurs kilomètres en décollant en fin de journée, au printemps ou l'été. Démarrez le cross donc après 16h si les conditions vous semblent très fortes. Pour choisir les bonnes journées, on se fait conseiller, on regarde bien la météo et on demande aux pilotes locaux voilà, sur quel parcours on pourrait s'engager. 6 conseils pour réussir un cross. Voler le plus haut possible. Le but n'est pas d'aller vite, mais surtout d'aller loin. Monter au maximum avant de transiter. Effectivement, sur les premiers, voilà, avant, tant qu'on ne cherche pas de la performance record, il faut savoir voler haut plus que voler vite. Parce que plus on est haut, plus on a du temps pour observer, pour retrouver des ascendances, etc. Si on ne fait pas les thermiques jusqu'au sommet et qu'on est pressé de transiter, on va se retrouver dans des conditions difficiles en bas, qui sont plus stressantes. Et on ira sans doute moins loin sur le vol. Attention,
à ne pas vous laisser dériver derrière les arêtes. Donc on revient sur la notion de au vent et sous le vent. On va prendre 200 mètres de marge au-dessus d'une crête pour la franchir. Voler avec la meilleure finesse, dans le doute, plutôt un poil plus vite. Effectivement, les voiles modernes, on va dire que main haute, elles ont une finesse très très efficace. Si ça descend fort, on ne fait pas immédiatement demi-tour. Pourquoi? Parce qu'une ascendance, c'est l'air donc qui monte, il est souvent entouré d'air qui descend. Donc une ascendance, elle sera précédée souvent d'une descendance. Lors d'une transition, définissez deux ou trois ascenseurs, on va dire, c'est des zones favorables au thermique possibles sur la montagne d'en face. Voilà, ça s'appellera des points d'aboutissement. Donc c'est important de quand on démarre une transition, voilà, de savoir, voilà, moi je vais aller à ce point-là. Et on va y aller en ligne droite ou en laisse de chien, mais on ne va pas faire des S parce que voilà, il faut optimiser notre trajectoire, mais surtout vers un point défini. Si le premier endroit ne donne pas, c'est bien d'avoir un plan B pour chercher une autre ascendance. On va essayer de visualiser à tout moment l'écoulement des brises à notre niveau et dans les vallées en dessous. Donc le GPS, il sera utile pour estimer la vitesse et la direction du vent, comme on l'a dit tout à l'heure. Indispensable, et vraiment, je vais mettre un gros point, s'il y a une chose à retenir de cette présentation, c'est ça, c'est qu'à tout moment, je dois avoir un champ posable dans mon cône de planer. Vraiment, si vous arrivez à faire ça, vous ne vous retrouverez jamais dans une situation où voilà, on a que de la forêt ou des lignes électriques en dessous de nous. C'est vraiment des situations très 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 inconfortables et on s'en rappelle très longtemps. Voilà, quelques infos de bibliographie si vous voulez vous renseigner un petit peu plus. J'ai tiré pas mal de mes informations de ces sites-là. Donc j'en profite avant de conclure pour remercier donc les différents acteurs, donc le CDVL 31, la Ligue Occitanie de Vol Libre, donc qui me soutiennent, et aussi les partenaires privés qui sont Enedis et Soaring Shop à Luchon. Merci à tous et à très bientôt pour une autre séance de théorie.